Bonjour, moi je suis Élise, je suis une des 7 référentes et guides composteurs de la placette de compostage partagé du quartier Clémenceau à Dijon. Je vais vous présenter notre placette de compostage partagé. Alors, elle est à l'initiative de 2 habitantes du quartier qui sont toujours impliquées dans le projet aujourd'hui, qui ont fait une proposition à la commission de quartier en 2016. Et la placette a vu son installation se faire en avril 2017. À l'époque, il y avait 3 bacs de 600 litres chacun. Et on s'est vite aperçu que ça débordait. Grand succès pour cette placette. Et pour diverses raisons, mais notamment pour pouvoir augmenter les volumes, la placette s'est déplacée en mai 2018 derrière les terrains de basket du parc Clémenceau. Aujourd'hui, on a 4 bacs qui font 1400 litres chacun. Et ils sont tous pleins. On a un bac d'apport plein, 2 bacs de maturation plein, le bac de broyat bien entendu, et on a aussi fait 2 andins parce que sinon ça déborde. On a en effet aujourd'hui plus de 224 biosos qui ont été distribués dans le quartier. On estime environ 250 foyers utilisateurs de cette placette car tous n'ont pas pris des biosos, ils s'en sont procurés par leurs propres moyens, et puis il y a aussi des personnes non référencées. On pense à peu près 250 utilisateurs en termes de foyers. C'est une placette qui remporte un grand succès, au point que l'on est obligé de faire un transfert par mois avec les forces de 10 à 20 utilisateurs à chaque fois, parce que c'est quand même beaucoup de travail, de manutention, mais on est aujourd'hui bien organisé et ça nous prend une petite heure. Pour information, sur ces 22 derniers mois, on a calculé avoir détourné 7,2 tonnes de biodéchets grâce à ce compostage partagé. Voilà, donc aujourd'hui la placette est temporairement fermée du fait du confinement. On a été obligé un petit peu de bâcher pour vraiment stopper les apports parce qu'on ne peut plus faire de transfert jusqu'à nouvel ordre. Mais on espère qu'elle pourra vite réouvrir à la fin du confinement. Vous retrouvez autour des bacs, lors des apports, aussi des transferts puisqu'on les termine autour d'un pot convivial. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à compostage.clemenceau@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis en attendant, restez chez vous.